Bonjour, je suis Jérôme Voisin, clarinettiste et je travaille à l'Orchestre Philharmonique de Radio France comme clarinette solo. Je joue cette clarinette, la clarinette Yamaha CSG3 depuis 3 ans je crois maintenant. Et je voulais vous raconter un peu l'histoire de cet instrument. En fait, Hiroshi Nakajima, son concepteur, on peut dire en français, est venu vers moi il y a quelques années donc avec 3 différents prototypes, 3 différentes perces. 2 perces françaises et 1 perce allemande avec le système français, comme vous pouvez constater. Et c'est vers cet instrument que j'ai penché très rapidement, surtout pour sa sonorité. Aussi sa sonorité dans le grave. C'est ce qui m'a beaucoup séduit sur cet instrument, c'est le côté boisé, le côté chaud de la sonorité. Aussi, il y a des qualités qui sont tout à fait propres au jeu de l'orchestre. Homogénéité, on en a parlé, mais aussi sa souplesse, la tonation qui est relativement parfaite sur cet instrument, ce qui est rare sur une clarinette. C'est souvent le problème des clarinettes, d'avoir quelque chose qui soit parfaitement... un bon compromis en tout cas entre tous les registres. Et je vous montrer quelques exemples de solos d'orchestre qui vont illustrer un petit peu ces différentes qualités. C'est-à-dire qu'il y a une couleur qui passe très facilement à l'orchestre et qui aussi se mélange très bien avec les autres instruments, les bois notamment, ce qui est absolument indispensable quand on joue en orchestre. Mais en musique de chambre ou en soliste, évidemment, il y a des qualités propres à l'instrument qui ne sont pas du tout perdues. Je pense le mélange avec les cordes quand on joue Brahms. Le travail avec Hiroshi était très intéressant, puisqu'il est souvent venu écouter des répétitions, des concerts, et sa démarche était vraiment une démarche d'essayer de comprendre quelle était ma recherche de son. Et très très vite, il arrivait à corriger les choses sans forcément rentrer dans les détails techniques pour moi, mais intuitivement, il arrivait à se rapprocher très très vite de ma sensibilité, quoi. Donc ça, c'était vraiment un travail intéressant. Qui donne un résultat qui, je pense, qui fait que cet instrument parle vraiment bien. C'est-à-dire qu'on arrive à facilement s'exprimer avec, sans avoir à lutter. Naturellement, je vous l'ai dit, il projette bien. Et puis, sa couleur est riche, on peut dire.